Le château Vully, le voici. Ce fameux château connu du monde entier, dans les caves duquel se vinifie le château Vully, nous y sommes. Jean-Pépien Greloc a bien voulu nous expliquer le secret de fabrication de son élixir grolandais. Alors, il faut un tabouret en bois pour lui donner un petit goût boisé au vin. Mais vous avez le droit de faire ça ? Oui, on a le droit de foutre le bois de qu'est-ce qu'on veut. On lui faut un vieux carton aussi. Pour quelle raison ? Bah, c'est pour cacher le goût de la peinture du tabouret en bois. Le carton, ça cache le goût de la peinture. Ouais. C'est interdit, ça ? Non. Non, gamin, c'est légal. Ouais. Oh, puis là, je vais y foutre un goût de vanille au pinard. Le parfum des cabinets. Vanille. Ouais, la vanille. Ouais. Et alors ? À Château Vully, il sera légèrement boisé avec un petit arrière-goût de vanille sauvage. Ouais. Ouais. Je vais y foutre un goût de banane, bizarre.